بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، أعزائي عزيزاتي، أصدقائي صديقاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Sans transition, directement dans le vif du sujet, avec cette perle de rappel de notre frère Abu Rayyan, qu'Allah lui facilite, qu'Allah le bénisse, il a pensé à nous, de sa prison, dans son épreuve actuelle, pour nous rappeler, pour nous faire un rappel, parce qu'il nous a toujours aimés, et parce qu'il nous aime, et parce qu'il passera sa vie à aimer la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, voilà 70 jours que je suis à l'isolement, n'ayant jamais connu la prison. Les premiers jours ont été difficiles, déprime, sommeil perturbé, pas d'appétit, pessimisme, etc. Petit à petit, mon esprit s'est apaisé et Allah a allégé la pression sur ma poitrine, alhamdulillah. Et Allah a allégé la pression sur ma poitrine, alhamdulillah. Environ un mois avant l'arrestation, j'avais fait une série de vidéos filmées, 5 ou 6 en janvier 2014, dans lesquelles j'exposais mon désir de me réformer et d'avoir une nouvelle approche des choses. Dès l'arrestation, j'ai compris que je devais passer par là, entre parenthèses, par la purification, pour que mon désir de réforme, entre parenthèses, et de repentir, soit accepté par Allah. Il est logique que Allah nous éprouve quand on désire se rapprocher de lui et de la voie droite du juste milieu. Cette recherche du juste milieu est extrêmement difficile pour les uns. On est considéré comme trop mou et pour d'autres trop dur. On se retrouve assez vite isolé et critiqué par tous les groupes. C'est le prix à payer. Mon plus grand conseil, c'est d'éviter d'être ébloui, entre parenthèses, et attiré par ceux qui font le plus de bruit et de fumée. Crier fort et faire des prêches enflammées n'est pas synonyme de vérité. La vérité est dans le Coran, la patience, l'endurance, le combat contre ses faiblesses, les innovations, les invocations. J'ai vu les innovations et je me disais qu'est-ce que ça raconte ici. Les invocations, les prières obligatoires et surobligatoires, le dhikr, éviter les petits et grands péchés. Comme le dit Mahdi ibn Salah, qu'Allah le bénisse. Il fait un excellent travail, mashallah. On doit soigner notre âme et notre cœur avant d'avoir de grands projets. Car nous sommes tous plus ou moins malades, entre parenthèses, enfance, virgule, éducation, virgule, environnement, virgule, habitude, virgule, etc. On ne peut pas s'enfuir. Sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas s'enfuir de cette épreuve obligatoire. C'est une réalité à assumer. En règle générale, on se permet trop de petits péchés en pensant qu'Allah pardonnera d'office. En parenthèse, car on se désavoue de shirk et de tarout. C'est un très mauvais calcul. Car Allah n'aime pas les calculateurs qui jouent des jeux avec lui. Un musulman sincère progresse tous les jours
il ne reste pas dans son état sans combattre et son mieux, il dit. Dans son état sans combattre. Ah oui, sans combattre de son mieux. Parfait. Donc, il ne reste pas. Un musulman sincère progresse tous les jours. Il ne reste pas dans son état sans combattre de son mieux. N'oubliez pas que l'accumulation des petits péchés peut mener à des grands et à de terribles conséquences. Tout ceci n'est pas un jeu, mais le grand test de notre vie. Il s'agit de bien réaliser la réalité des enjeux. S'il y a bien une chose avec laquelle il ne faut pas jouer, c'est notre sort dans l'au-delà. Risquer de tout rater pour une femme, un homme, des mauvaises habitudes, des petits plaisirs, la paresse, des coutumes, etc., c'est de la folie furieuse. Tout doit être fait pour Allah. Mariage, enfant, acte, argent, choix, etc. Sans ça, c'est l'erreur et l'échec assuré. Entre parenthèses, ici-bas et dans l'au-delà. Un long tapis de prière pour implorer pardon et guidance à Allah Azzawajal, vite avant que l'ange de la mort apparaisse devant nous. Allah, aide-nous. Abu Rayyan. Qu'Allah te bénisse, ya Abu Rayyan. Je suis avec toi de tout cœur. Je te fais de droit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite et t'assiste. On ne veut rien rajouter par rapport à ce que notre frère a dit. Je compte sur vous, s'il vous plaît, pour l'aider avec vos droits, pour le soutenir comme vous pouvez, même financièrement, et aussi financièrement, et surtout financièrement. Je compte sur vous pour aider sa famille, inshallah. Mobilisons-nous pour l'aider, pour le soutenir, pour l'assister. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le soutienne, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite cette épreuve propagée pour votre frère Aboureyan, propagée le rappel de votre frère Aboureyan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette les fruits de ce rappel dans la balance des hasanat de notre frère Aboureyan. Qu'Allah lui facilite, qu'Allah facilite à sa famille. Jazakumullah kulla khair, jazakallah kulla khair ya Abarian. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.